Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et premier vlog de 2023. Wow my god, bonne année, bonne santé, beaucoup d'amour et de prospérité, surtout la santé. La chose la plus importante à mes yeux maintenant, c'est la santé. Donc nous sommes le mardi 10 janvier, je vous prends donc dans une vidéo weekly vlog. Alors je vous ai pas filmé hier parce que j'avais rien d'intéressant, je suis allée travailler mon oral de gestion de risque et de crise. Et donc je vous prends mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Et je vais filmer quand même dimanche et lundi avec ma famille pour vous montrer les conneries de Patrick. Donc il y aura plusieurs vidéos qui vont s'enchaîner. Mais là, ça va être un petit weekly vlog. Enfin, petit, je ne pense pas. Je pense qu'il va être très long. Je pense que je vais souffrir au montage, que mon ordinateur va être saturé. Mais ce n'est pas grave. Donc le programme d'aujourd'hui, j'ai énormément de choses à régler administrativement. Alors ça peut être intéressant pour vous je pense aujourd'hui, mais voilà, il faut que j'appelle énormément de personnes, soit mes assurances, EDF, ma sécurité sociale. Enfin bref, il faut que j'appelle vraiment beaucoup de personnes, donc il faut que je m'en occupe maintenant. Et après on va essayer de faire de la poterie. Ouais, vous avez bien entendu, de la poterie. Mes voisins ils m'ont acheté un kit de poterie parce qu'ils savent très bien que je veux faire de la poterie. Et c'est un kit de poterie, vous savez, pour les enfants et tout. Et j'ai trop hâte de tester ça. Bon, on va essayer de faire de la poterie, il faut que je fasse un bol pour un de mes meilleurs amis. Sinon, pour tout ce qui est santé, je vous ai quitté au dernier vlogmas quand Patrick débarquait. Il y a eu 15 jours depuis ce temps-là où je vous ai quitté. Au niveau de ma gorge, bah, c'est toujours le désert du Sahara. Je suis parfois aphone, hein, voilà. Ça ne change pas d'habitude. Et surtout, je suis guérie au niveau de mes poumons. Vous savez, enfin, je ne sais pas si je vous l'avais dit dans les vlogmas, mais j'avais une pneumonie et une infection au poumon. Donc j'avais beaucoup d'antibiotiques, j'avais beaucoup de traitements. Et là, je n'ai plus rien. Donc c'est une... voilà, je suis contente. Je suis aussi en arrêt de travail jusqu'au 13 février. Donc voilà, donc j'ai encore tous mes week-ends. Donc ça, c'est vraiment cool. Il faut juste que je guérisse de ma gorge. Donc je dois prendre des antibiotiques. Sauf que... si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous ne le saviez pas. Et de toute façon, on s'en bat les couilles, mais c'est important de le dire. Je ne savais pas, mais les femmes qui prennent des antibiotiques ont 70% de chance d'avoir des mycoses. Je peux vous dire que j'ai souffert la semaine dernière. J'avais une mycose, mais une mycose du turfu vaginal et anal. Alors, je connaissais la mycose vaginale, bon voilà, c'est quelque chose de très lambda, entre guillemets, ça arrive, etc. Et bon... tu souffres, mais pas tant que ça non plus. Enfin, ça te gratte, mais vas-y, ça passe. Mais anal... je vous passe les détails, mais je vous jure, j'arrivais plus à marcher, j'arrivais plus à faire caca, j'arrivais plus... c'était une catastrophe. J'arrivais vraiment plus à marcher, je souffrais vraiment beaucoup. La crème ne faisait rien, vraiment, c'était une catastrophe. Bref, ma vie est géniale, ça fait 6 minutes que je parle, voilà, on est ravis. J'ai aussi changé mes lumières, comme vous pouvez le voir, j'ai fait des petits achats chez Primark, peut-être vous montrer ça aujourd'hui, tiens. Où j'avais acheté donc des petites lumières et tout, c'est des lumières qui sont sur secteur, donc pas sur pile, donc ça c'est cool. Donc j'ai enlevé les lumières bleues qui étaient sur pile, et ces lumières bleues, on les mettra dans une prochaine vidéo dédiée aux petits travaux de l'appartement, dans le bureau. J'attends aussi un appel d'un magasin qui doit me dire s'ils ont une casquette en stock, donc c'est pour mon meilleur ami, donc pour son anniversaire on veut lui acheter une casquette Ralph Lauren. Ça fait longtemps quand même qu'il la cherche, la casquette, dis donc. Donc voilà, c'est parti, je vais aussi ranger un petit peu l'appartement parce qu'il y a pas mal de petites vaisselles qui traînent, je vais vider de la vaisselle. Et j'ai fait des pancakes comme vous avez pu le voir dans l'introduction, dans le début de la vidéo, j'ai fait des pancakes avec notamment ça. Donc vous savez, c'est des trucs comme ça où tu mets tous les ingrédients, après tu shakes. Je trouve ça trop bien. Alors par contre, les pancakes qui sont pas extrêmement bons, enfin je peux les faire beaucoup mieux, notamment en battant les blancs en neige, ça fait des trucs beaucoup plus fluffy. Là c'était très sec entre guillemets, donc pour les crêpes c'est super bien, mais pour les pancakes c'est un peu, ouais c'est pas terrible. En tout cas c'est trop beau, regardez avec les petites lumières là. C'est super joli, j'aime beaucoup les petites lumières de chez Primark. Je vais vous montrer du coup bah, les achats que j'avais fait chez eux. J'ai acheté vraiment beaucoup de choses, notamment du linge. Genre du linge de maison. Alors, il est quand même 13h25, ils m'ont toujours pas rappelé pour la casquette Ralph Lauren. C'est un peu bizarre, mais bon, c'est pas grave. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Lush dernièrement. En fait, il y a mon père qui a un problème de cuir chevelu. Il utilise de la merde, hein, Head & Shoulders à la menthe en plus, donc ça le gratte, ça le démange, il est pas bien. Donc je lui ai filé un shampoing bio et anti-démangeaison. J'espère que ça lui a fait du bien, il va me le dire dimanche. Mais je lui ai aussi acheté un shampoing solide, celui de chez Lush, celui que j'utilise tout le temps.
qui est vraiment très bien, anti-démangeaison aussi, et c'est au miel, donc c'est vraiment hyper apaisant. Leurs shampoings sont vraiment très très bien, moi j'utilise, et franchement mes cheveux ils sont là, ils sont naturels, je les ai pas coiffés, mais ils sont vraiment longs, beaux, soyeux, enfin en bonne santé, il n'y a aucune fourche, enfin je n'ai pas de problème de cuir chevelu. Et j'ai pris la même chose pour moi, j'ai pris moi deux types de shampoings solides, ça j'ai pris celui-ci pour mon père, c'est celui au miel, donc celui-ci il est vraiment très très bien. Par contre ça graisse un petit peu plus vite les cheveux, ça c'est un peu inconvénient, donc c'est des petits trucs comme ça, c'est super bien, ça nourrit super bien le cheveu, ça ne graisse pas le cuir chevelu, ça c'est vraiment cool. Donc ça dépend de votre type de problématiques au niveau des cheveux, il y en a aussi avec du sel marin etc, bon je suis pas très très fan, mais ça n'hésitez pas, ils sont vraiment top. Donc je vais offrir ça à mon père pour le deuxième Noël du coup. Et j'ai acheté aussi des petites banques de bain, c'était à -50%, donc ça valait le coup je trouve. J'ai pris, c'est un petit Gugus, un petit bonhomme de neige. Donc je crois que c'était 3€. Et j'en ai pris une autre de bombe de bain. Alors celle-là, je sens que j'en coupe partout. Je vais vous montrer juste dans l'emballage parce que vraiment, c'est une bleue avec des flocons de neige. Je sens trop bon, mais elle en fout vraiment partout. Je pense que vous allez pouvoir voir. Vous voyez, il y a un petit flocon, c'est super joli. Donc celle-là, elle coûtait 8€. Donc à chaque fois, -50%. Et ensuite, pour Primark, j'ai acheté des draps. C'est exactement les mêmes draps que j'ai. En fait, les miens, ils sont éclatés au sol, je trouve. Là, c'est ceux de chez Carrefour. Je les ai depuis des années et il fallait que je change. C'était à 6€ au lieu de 20€. Enfin, vraiment, ça valait le coup. Donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Et j'ai acheté aussi à Primark des vacuum bags. J'ai vu le nom en français. Ils sont très très bien, ils ne se percent pas, ils sont super bien, ils coûtent seulement 4€. Ensuite j'ai pris ça, je trouvais ça pas mal, c'était 3€ je crois, ouais. Un truc pour les menus, donc je trouve ça plutôt pas mal pour m'organiser peut-être pour les menus parce qu'il faut que je mange. Et des fois je sais pas trop quoi faire, donc si j'ai un truc comme ça à la semaine peut-être que ça peut être pratique. Ensuite j'ai craqué, flashé sur cette bougie holographique incroyable. Elle coûtait 8€ quand même et elle sent mais tellement bon, c'est un truc de ouf. Vraiment elles sont trop trop bon, elle est super jolie, je la trouve magnifique. Ensuite pour tout ce qui est holographique encore une fois, en verre vraiment trop stylé, donc ça je vais mettre pour la décoration de table je pense de Noël. Et ça coûtait 1,50€ au lieu de 2,50€. Donc ça trop contente, j'ai pris en rose et j'ai pris en jaune. Et ça c'était le dernier en rose, un peu dégoûté. Ensuite j'ai pris des petites LED comme ça parce que j'en ai pas. En fait je pensais en avoir plein mais en fait j'en ai pas. Donc des petites LED vous savez avec les piles. Donc pour la décoration de table parce que j'ai galéré pour Noël, j'en avais plus. Donc j'ai galéré à en trouver. Et j'ai pris ça, je l'ai déjà en vert et j'ai trouvé en blanc. Il coûtait 3€ au lieu de 7. Et c'est bien ce qui me semblait hein. C'est vraiment bien ce qui me semblait. Là il y a le diffuseur. Et moi je l'avais pas eu dans mon truc vert. C'est bien ce qui me semblait qu'il y avait ça. Parce qu'en fait, quand j'ai acheté celui en vert, je n'avais pas la petite bouteille comme ça. Je me disais que c'était un peu cher et tout, donc ça a dû être volé et j'ai pas capté. Je l'ai en blanc avec les baguettes parce que j'avais acheté que ça en fait. Je me suis fait arnaquer. Donc voilà, au moins je l'ai en blanc. Je trouve ça trop joli en blanc. Au moins on peut le laisser pour je sais pas, l'automne ou autre, ça fait pas trop Noël non plus. Et j'ai acheté donc les lampes que vous voyez juste là que j'ai accrochées. Et je vais vous montrer aussi les draps. Ah oui non pardon, je vous ai pas montré mais j'ai acheté ça aussi à Primark, c'était 2€ je crois. C'est des bougies avec les signes astrologiques, donc j'ai acheté ça pour moi. Et j'ai aussi acheté ça pour mes trois meilleurs amis, donc Cindy, Pierre et Damien. Et en fait j'ai acheté avec leur signe astrologique pour Noël, voilà j'aurais fait un petit cadeau comme ça. C'est pas trop leur truc les bougies comme ça, mais vas-y, au moins quand on se réunit on ramène nos bougies et ça s'encastre. C'est trop drôle. Donc voilà j'ai pris ça, j'ai trouvé vraiment trop joli. J'ai pris donc des draps, donc je l'ai pris en bleu. Et je l'ai pris, j'ai pris le draus en noir comme ceci. Et en fait c'est les draps comme ça vous savez. Donc je les ai déjà en noir comme vous pouvez le voir. J'ai le draus en gris et j'avais et donc j'ai acheté le draus en noir. Et j'ai aussi acheté les draps en gris. Donc en gros comme ça j'ai toute la collection sauf le draus bleu marine, je l'ai pas. Et vraiment ils sont top. J'ai jamais vu une qualité aussi bien. C'est 100% coton et c'est... C'est vraiment très très bien. Donc voilà, ouais, j'ai toujours mon petit sapin comme vous pouvez le voir. Il y a les cadeaux de ma soeur juste là. Et voilà, ouais, c'est génial. J'attends encore des cadeaux des conneries de Patrick. Parce que j'en ai encore commandé. Et j'espère qu'ils vont arriver très rapidement. Et là, il faut que j'appelle donc toute la paperasse là. Bon, je suis parée, j'ai mon ordinateur, j'ai mon iPad, j'ai mon téléphone. Et j'ai tous les papiers, je sais pas qui a appelé en premier parce que j'ai tellement de personnes à appeler. On va peut-être appeler le service juridique. Le service juridique, c'est une
une prestation que vous payez en plus, c'est 2 euros par mois avec votre assurance habitation. N'hésitez pas à la prendre parce qu'ils sont vraiment top. Ils m'ont tout le temps aidé dans mes problèmes personnels. Et là, j'ai une question concernant donc ma démission pour Truffaut. Parce que je vais démissionner et je ne sais pas comment ça se passe vu que je suis en arrêt maladie. Est-ce que je leur dois mon préavis ou pas? Donc c'est pour ça que je vais leur poser la question directement et savoir comment on peut faire. Donc voilà, je vais les appeler, j'espère qu'ils vont me répondre. Et j'aurai aussi 2-3 petites questions concernant mes projets en 2023 pour m'assurer. Voilà, allez, c'est parti, je vais les appeler. Pour bien vous orienter, quelques précisions nous sont d'abord nécessaires. Votre attente estimée est inférieure à 2 minutes. Ça va. Alors tout le monde m'a appelé en même temps, il est super bien mon conseiller, franchement. Moi je regrette pas du tout d'être à cette assurance là, ils sont super géniaux. Et heureusement que je les ai appelés parce que je ne suis pas assurée si je pars en voyage de plus de 3 mois. Donc c'est plutôt pas mal, je leur ai demandé un devis. Il y a une espèce de garantie. Par exemple si vous partez en voyage plus de 3 mois, eh bien vous n'êtes pas assuré forcément pour votre responsabilité civile. Et du coup il y a un autre contrat en surplus, c'est 28 euros à l'année. Donc en soi c'est pas si cher que ça je trouve. Je vais l'envoyer à mon père etc. Et je vais appeler le service juridique. Et je me suis trompée, le service juridique c'est 2 euros par an. Donc prenez-le à chaque fois, c'est très très bien. Et je viens de voir qu'il y a des gens qui m'ont rappelé, donc je pense que ça doit être Raph Lorraine. Allô? Oui, allô? Oui, rebonjour. Bonjour. Vous avez eu mon message là? Pas du tout. Oui, en fait, je vous dire que vous m'envoyez le produit que vous recherchiez à le code. C'est une casquette. C'était une casquette, ouais. Après j'en ai parlé à Alexandre, c'est un de vos collègues. Ouais. Oui. Et je lui ai envoyé la photo à Alexandre et il m'a dit qu'il avait parlé de ça à une de vos collègues pour savoir si vous l'aviez. Ok, ça marche. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. C'est une journée paperasse. Je suis désolée, mais je pense que ça peut intéresser des gens de savoir que bah on est suivi, on peut être suivi. Ah, c'est plus chill là. Bonjour et bienvenue au service de renseignement juridique des particuliers. La maladie n'interrompra pas le déroulement. Ouais, arrêt classique, ouais. Ordinaire. Oui. Donc dans ce cas de figure, non, ça n'aura pas d'incidence. D'accord, donc je pose juste ma démission et après c'est terminé, j'aurai pas besoin de retourner travailler. Exactement. Ou de payer. Sachant que le point de départ, c'est soit la date à laquelle vous remettez le courrier contre signature, si vous remettez en main propre, ouais. Dans votre cas, ce sera pas trop le cas. Soit on pourrait recommander, c'est la date de première présentation. Ok, bon bah merci beaucoup en tout cas de vos conseils. Et je vous en prie. Je vous souhaite une très bonne année. Bon du coup, j'ai toutes mes réponses pour l'assurance. Donc ça c'est vraiment cool. Donc moi ce que je fais quand par exemple voilà j'ai des appels comme ça, j'ai mon ordi avec tous mes contrats devant et j'ai aussi ma tablette avec tout ce qu'il y a de marque et toutes les informations qui me disent les conditions, les machins, tout. On va passer au pire, la sécurité sociale. Donc appeler, ah non je vais appeler EDF tiens, on va appeler EDF comme ça ce sera un peu plus... un peu mieux, je trouve. On va y aller crescendo. Je vais donc couper l'électricité de tout mon appartement et j'aimerais savoir au niveau des factures comment ça va se passer, si je vais être prélevée de 0 euros ou est-ce qu'il y a des frais de dossier ou je sais pas. Prélève en fait sur les consommations réelles. Comme il n'y a pas de consommation dans la maison pendant cette période-là, il y aura juste en fait à payer l'abonnement électrique. Et donc là, si je vais partir du coup pendant plusieurs mois, je vais pas donc payer ma période, enfin ma consommation d'électricité, je vais payer les 9,23€ hors taxe, la contribution plus la TVA. C'est bien cela, madame, c'est exactement cela. Bon, EDF, je savais bien que j'allais devoir payer quelque chose si je partais, donc je vais payer 17,97€. Donc c'est vraiment en fait pour savoir si je pars quelque part pendant plusieurs mois, si j'ai un projet comme ça, combien ça va me coûter après. Voir un petit peu les dépenses. EDF, bon, je savais très bien que j'allais payer quelque chose même si je n'étais pas là. J'avais prévu 20 euros dans mes budgets. C'est 17,97€ au final. C'est très bien, ça me va. C'est, voilà, c'est dans le budget que j'avais prévu. Bon, eh bien, nous allons devoir appeler le pire service au monde, la Sécurité sociale. Ils ont une note sur Internet de même pas une étoile. Et en fait, moi, c'est ma Sécurité sociale qui s'occupe de tout ce qui est APL, etc. Je n'ai pas de CAF. C'est ma Sécu qui s'occupe de tout. C'est vraiment un régime assez particulier. Êtes-vous prêts à affronter la sécurité sociale avec moi? Je chiale, j'ai peur. France, pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous ne pouvons vous répondre.
vous avez la possibilité de nous contacter par mail sécurisé en allant sur votre espace privé rubrique « Mes messages, mes réponses ». Nous prions de bien vouloir nous excuser. Ah ouais, je vais me faire foutre ? Non mais je veux bien, t'as vu ? Vas-y. Mais par message, vous êtes des nuls ! J'ai envoyé un message le 1er novembre, on m'a répondu le 30 décembre 2022 ! Je suis à bout. Tu sais, j'aurais déjà envoyé des messages sur la sur l'espace privé. Donc ben, je vais aller me faire voir. Et je dois appeler là aussi. Le service de paye de Truffaut. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, j'ai pas été payée par Truffaut parce que... Bon si, je pense que vous le savez, la MSA, donc ma sécu, a perdu mon arrêt de travail initial. Du coup, ça rend caduque toutes mes prolongations d'arrêt. Donc je n'ai pas été payée. Et ça fait du mal de ne pas être payé quand on a un loyer qui a augmenté de 100 euros. Ben on va les appeler hein, parce que vraiment j'en ai ras le cul d'envoyer des mails. Hein. Voilà, on va appeler le service. Je ne sais pas ce que je vais leur dire. Bonjour. Oui, bonjour. Je suis bien au service de prévoyance de Truffaut. C'est le service paye, mais oui. Oui. Allez. Oui, bonjour, je m'appelle Elisa Barry, je travaille à Truffaut et je suis en arrêt de travail. Non, bah j'ai toujours pas été payée. C'est impossible de les appeler. Ils prennent pas les appels, c'est pour ça que je vous appelle vous pour savoir si vous avez reçu. Ouais, bien sûr, bah je vous envoie ça par mail du coup. Oui, voilà, vous avez mon adresse. Ouais, j'ai votre adresse. Comme ça, moi je vais les appeler et je vais voir avec eux. D'accord, je vous envoie aussi la preuve de comme quoi j'ai bien envoyé, etc. Oui, voilà. Okay. Oui. Bon, c'était bizarre, mais je pense qu'elle va être compétente. Elle va les appeler, donc demain, il faut que je leur envoie tous les papiers. Attends, mais j'ai foutu où tous ces papiers? Je suis en train de les chercher depuis tout à l'heure, en fait. Tout ce que j'ai envoyé. Bon, il est quand même 15h30, ça fait 2h30, je crois, que je suis dans la paperasse. Je crois avoir fini. J'ai donc envoyé tous les dossiers au service de paye de Truffaut. J'ai envoyé aussi un message sur ma sécurité sociale de merde. Là, nous avons enfin fini le côté administratif. Je crois avoir appelé tout le monde. Hein. C'est ça que je voulais faire, c'est faire des photos pour mon passeport. J'aimerais bien avoir un passeport, ça peut être assez pratique du coup. Et j'ai déjà payé les timbres, je sais pas trop quoi, le truc qu'il fallait payer là. En fait, il me faut juste des photos et que je dépose mon dossier dans une mairie. Oh my god, cette vidéo weekly blog va être extrêmement longue. Oh my fucking god. Mais surtout, nous allons manger puisque nous n'avons pas mangé ce midi. Alors déjà, je voulais pas montrer, mais j'ai reçu une petite composition trop mignonne. Bon, là, elle est plus mignonne du tout, elle a fané, mais elle était vraiment belle. Je voulais montrer sur Instagram avec des orchidées et tout. Franchement, c'est trop beau. Donc ouais, dommage que bah ça fane, hein, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Mais peut-être je vais réutiliser le petit pot et mettre des petites fleurs et tout de temps en temps. Donc c'est des branches de sapin et tout, c'est vraiment trop beau. Donc, peut-être utiliser ça en centre de table. Je vais essayer de peut-être d'acheter des petites fleurs ou je sais pas, des petits trucs pour essayer que ce soit un petit peu joli. Voilà, et j'ai mis aussi, j'ai inversé en fait mes trucs. J'ai mis les œufs là-dedans. Donc on m'a dit qu'il fallait pas fermer le bouchon pour éviter que ça pourrisse. Donc je le ferme pas en fait, je le laisse vacant, entre guillemets. Là j'ai mis le petit sel. Et ça en fait de base, c'est un peu plus haut là, ça me gêne. Et donc pour le frigo, bah je n'ai pas grand-chose dans le frigo comme vous pouvez le voir. C'est un peu la dèche. J'ai une pizza, j'ai pas grand-chose. Oh, j'ai une salade qui n'est plus bonne, du 4 janvier. Est-ce que c'est étonnant de ma part? Non. Je n'ai pas grand-chose. Voilà. Bah non, j'ai ça. Je peux peut-être me faire des pâtes carbo. Comme ça, j'en aurai peut-être pour ce soir. Est-ce que j'ai de la crème? Oui, sûrement. Oui. Oh, j'ai des raviolis. Oh, je prends des... Non, j'ai pas de gruyère. Faut que j'achète du gruyère pour les raviolis. Elles sont pas, genre, incroyables. Écoutez ce doux bruit. J'adore. Bon appétit tout le monde. Il est 16h37. Nous allons faire de la poterie. Est-ce que vous êtes droit? Pas trop, non. Je sais pas dans quoi je m'embarque encore une fois, mais c'est pour le cadeau d'anniversaire de mon meilleur ami. Je veux lui faire un bol parce qu'en fait, comment expliquer ça? Il a plein de pièces chez lui. Genre, sa maison est remplie de pièces et de bols de pièces. Du coup, il a un bol de pièces avec toutes ses pièces à l'intérieur et j'aimerais bien lui en faire un avec moi qui l'ai créé, tu vois. Ce serait sympathique. Donc, j'aimerais bien le faire aujourd'hui et peindre demain peut-être, je sais pas. Donc, j'ai reçu ça pour Noël de la part de mes voisins. Parce qu'ils savent que je veux faire de la poterie. Du coup, ils m'ont acheté un truc comme ça pour les gamins, j'adore. C'est une passion. Et en fait, il y a déjà des modèles de vases et tout. Mais moi, je veux pas faire un vase. Je veux faire un putain de bol. Donc, on va essayer d'installer tout ça. Ça va être drôle encore. Vraiment, on est en train de faire de la poterie, là.
Je chiale. Bien, est-ce que c'est droit? Ça paraît droit. Donc là, c'est avec LED. Donc en fait, on a juste à mettre de l'argile juste là et après, ça fait tout seul. Mais moi, je ne veux pas en forme de vase. Du coup, il faut que j'enlève ça, que je n'arrive pas à enlever du coup. Et je vais le faire sans aide. Parce que nous ne sommes pas des enfants non plus, quoi. Au bout d'un moment, on sait faire les choses. Donc je vais mettre la petite poterie ici, je vais essayer de faire un petit bol. Je vais faire un petit setup, j'ai mis des petits sopalins et tout au cas où pour pas trop tâcher. Et puis bah c'est parti, on va faire de la poterie, putain je suis morte. Ouais bon ça va être du talent pur hein. Je vais en avoir partout. Oh j'ai des poils de prince. Ah ah c'est trop galère. Ah non j'ai plus de batterie. Ah non non non. Ah non me lâche pas là, c'est pas le moment de me lâcher la batterie là. Je chiale, vous allez voir que le résultat final. Bon, il est bien plus tard, il est 18h41. J'ai galéré. La première fois, j'ai réussi à le faire. Genre, c'était beau, c'était harmonieux. On aurait vraiment dit un bol, vraiment un truc de professionnel. Et au moment où j'enlève du socle, et ben en fait, ça a tout cassé. Donc j'ai dû recommencer avec la même argile. J'avais l'impression qu'elle était beaucoup trop imbibée. Du coup, bah, j'arrivais plus du tout à la sculpter, etc. Donc j'ai repris une nouvelle argile. Et là, j'ai essayé de refaire un bol. Bon, ça n'a rien à voir avec ce que j'avais fait avant. Mais franchement ça passe et au moment aussi où j'enlève du socle, j'ai vraiment galéré et ça fait des trucs un peu bizarres. Du coup bah je l'ai fignolé à la main comme ça dans ma paume de main et en fait il est juste là, il est trop mignon. Donc c'est vraiment un mini bol, hein. C'est même pas un bol, hein. C'est le bébé du bol, voilà. Donc j'ai fait ça, je pense que ça pourra lui plaire. Je vais peindre ça en noir peut-être, je sais pas du tout. Donc on verra, mais voilà ce que ça donne. J'ai vraiment galéré, il est pas parfait. C'était pas du tout ça au début. Au début c'était vraiment un truc hyper lisse et tout, c'était vraiment trop beau. Et là bah maintenant ça fait un truc un peu esthétique. Hein. Écoutez, voilà, j'espère que ça va lui plaire. Parce que j'ai vraiment donné de ma personne. Oui, toi tu veux ta putain de pâté. C'est compliqué quand même, hein, je pensais pas. Mais sans les aides, ouais, c'est vraiment galère. En plus, on peut pas adapter la pression du tournage. Donc c'est tout le temps la même intensité. Des fois j'aimerais bien que ça soit plus lentement ou bah je peux pas le faire. Mais bon, c'est un truc de gamin de 8 ans, donc il me restera la moitié de l'argile. Donc... voilà, et pour le nettoyage, franchement, c'était super facile, hein. C'était très rapide. Donc je vais ranger un petit peu tout ça, mon tablier, tout le bordel. Voilà, je vais me laver un petit peu plus les mains parce qu'il me reste encore un peu d'argile. Et on se retrouve demain. Moïcha. Sa tête. C'est bien que tu t'es réveillée tôt aujourd'hui, mon cœur. Nous sommes donc le lendemain, je prends mon café, il est 10h37, je me suis couchée hyper tard hier, genre vers 4h du matin. Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai eu envie de faire un planeur, etc. Je sais pas vraiment ce qui s'est passé. Du coup, je me fais un petit café, je me dépêche parce que ma sœur est enfin arrivée en France. Donc je vais la chercher à l'aéroport, mais juste avant ça, il faut que j'aille à la poste déposer ma lettre de démission en lettre recommandée. Alors déjà, hier, j'ai monté la vidéo de ce mardi, ça fait quand même 23 minutes. Il faut que je me calme, je pense, pour les vidéos. Il faut que je vous montre un peu plus l'essentiel parce que ça va durer une heure, c'est pas possible. Je veux bien une heure de vlog, mais pas plus. Non, Andy ne va pas suivre, il va être HS. Que là, faut vraiment que je sois à l'essentiel. Donc le programme d'aujourd'hui, plusieurs choses à faire. Il faut que j'aille récupérer ma sœur, il faut que j'aille à la poste, il faut que j'aille acheter des cadeaux de Noël de mon père de la part de ma sœur. Il faut que j'achète aussi le cadeau de Noël de ma sœur. Il faut ensuite que je trouve un cadeau d'anniversaire pour mon meilleur ami Pierre. Et j'aimerais bien aussi faire des photos chez Photomaton. Bon allez, je vais chercher ma sœur. Je reviens de la poste, ça y est, j'ai déposé ma lettre de démission. Ah là là, mon dieu. Ça y est, je suis démissionnaire. Je vais être même pas au chômage, hein, parce que j'ai même pas le droit au chômage. Je vais être sans emploi. Donc là, je vais aller... Ah non, mais le corbeau, tranquille ou pilou. Oui, tranquille, t'es sur ma voiture, merci. Donc je dois aller à Belle Épine, parce que faut que je fasse des photos chez le photomaton. Et en gros, ma soeur, elle est pas encore arrivée, là. Et coup contrôle des frontières. Je vais à Belle Épine, je vais appeler mon père aussi, pour savoir sa taille de pantalon, parce que je m'en souviens plus. Regardez-moi ce soleil, c'est incroyable, hein. Alors, let's go to Belle Épine. Franchement, cette poste-là, à Rungis, elle est incroyable. Allez, let's go. Du coup, j'ai récupéré ma soeur, ça y est, je l'ai amenée à la maison. J'ai eu mon père au téléphone pour trouver son pantalon. Normalement, je devrais avoir sa taille. Mmh.
C'est même pas ça, c'est que vous allez... rentrée à 16h, il est actuellement donc 17h, j'ai fait une petite pause et tout, j'ai mangé mais le restant de mes pâtes. Et donc j'ai fait vraiment beaucoup d'achats, des achats utiles, donc des cadeaux de Noël notamment. Du coup je commence par quoi? Alors je commence par la chemise que j'ai achetée à mon meilleur ami. Donc on lui a pris donc la casquette Ralph Lauren et aussi donc cette chemise là. Donc c'est une chemise qui vient de chez Jules. Donc moi j'ai pris une chemise en jean noir basique et j'espère que ça lui plaira. J'ai pris le cadeau de ma sœur que j'ai galéré à trouver. C'est une huile prodigieuse de chez Nuxe à la rose. Undies. Alors je crois que chez Undies il y a une culotte qui est pas passée à moins 50. Bon je m'étais acheté des culottes quoi, des culottes vraiment basiques. J'irai m'en reprendre. Par contre j'ai pris la taille M. Je sais pas du tout si ça va m'aller. J'ai acheté le cadeau de Noël du mec à ma sœur. Donc c'est ça, génie de la connerie. Je trouve ça incroyable, ça lui va tellement bien. Et c'était à 12,99€. C'est pas donné, hein. Jules aussi. J'ai acheté ce pantalon que mon père voulait. Donc j'ai fait tous les Jules de France pour le trouver. Au final, j'ai trouvé chez Brice. 40€ le jean. Donc ça, c'est enfin le pantalon cargo. Donc c'est vraiment un truc basique. Et il y avait la même chose mais en promotion à moins 20% mais dans d'autres coloris. Mais mon père il voulait le bleu marine donc ça va être le cadeau de la part de ma sœur. Ensuite je suis passée à Bershka. J'ai essayé tellement de choses à Bershka mais vraiment j'ai l'impression que les tailles elles sont de pire en pire. Je sais pas, un coup je mets du 34, un coup je mets du 36, un coup je mets du 38. Genre ça n'a aucun sens. En cabine d'essai c'était un peu compliqué sachant qu'on a le droit qu'à 6 articles. Et moi je devais donc prendre 3 tailles par article, 34, 36, 38. Donc j'ai pris en taille 36 les deux je crois, deux pantalons. Il me fallait des pantalons, j'ai besoin de pantalons. Je n'y arrive pas, je n'arrive plus à m'habiller. Je mets toujours les mêmes jeans. Et là ils sont en train de s'user. Et je voulais un pantalon vraiment léger. Donc c'était 15€ le 30. En taille 36, en lin. Et franchement c'est super agréable à porter. Il existait aussi en beige. Je l'ai essayé, je vous l'ai montré. Je l'ai pris en taille 34. Et au final il était trop transparent. Donc je l'ai pas pris mais la qualité est incroyable. Et j'ai enfin pris ce pantalon là que j'avais vu hors promotion. Il y a un mois. Et je le voulais trop, j'avais demandé pour Noël. Mais je sais que mes parents ne me l'ont pas pris. Du coup, bah, je l'ai acheté parce qu'il était à moins 50%. Donc 20€ au lieu de 40. Et c'est un pantalon, voilà, style costume. Pantalon de costume. Et la couleur est vraiment trop belle. Je la trouve trop jolie. Et le pantalon, il est droit. C'est un peu, je vais pas dire pas def, mais c'est, ouais, c'est un pantalon droit. Du coup, je suis trop contente, je l'ai enfin. Ensuite, à Sephora, j'ai fait une razzia. Alors, j'avais des bons cadeaux, donc je les ai utilisés chez Sephora. Ça m'a fait du bien de ne pas payer. J'ai pris énormément de choses. Vraiment, j'ai fait le stock, en fait, j'ai fait le plein. Parce que ce genre de produits, c'est vraiment des bons produits et je les utilise assez souvent. J'ai pris tout d'abord un gel nettoyant exfoliant, donc avec la gamme volcanique, je la connais absolument pas. Donc tout était à moins 50%, donc ça devait être 7€ par exemple ça. Là, en promotion du coup, c'était à moins 70%. Un masque pour les mains avec une petite chaufferette, là je sais pas quoi, et une crème. Bon bah pourquoi pas tester, hein, on verra. Oh, elle est trop mignonne, vous voyez la petite chaufferette et tout, je trouve ça trop chou. Le masque pour les mains. Et la crème du coup hydratante. Oh ça sent bon en plus hein. J'ai pris ensuite le masque purifiant, le Mud Mask. C'est un masque donc à la boue. J'ai pris des pads exfoliants anti-imperfection. Purifie, ça exfolie. J'aime bien moi ce genre de petits pads. Faut pas le faire tout le temps mais c'est plutôt pas mal. Ensuite j'ai pris des masques. Donc un masque apaisant comme ça, gold. Et un autre masque hydratant. C'était 3€ ça, ouais 3,50€ et là c'était 2,50€. Ensuite j'ai pris mon sérum que j'adore au PHA et BHA, il est fini là maintenant, c'est terminé. Ça fait la troisième fois que je le rachète, ça se vide assez rapidement mais franchement c'est génial, je mets ça tous les soirs. Ensuite j'ai pris du démaquillant doux lèvres et yeux, je l'ai pris en petit format parce que j'ai besoin de ça pour quand je vais partir en vacances. Ensuite j'ai pris un baume main coco. En tout petit format aussi encore une fois pour prendre avec moi quand je pars en vacances. Un gommage éclat visage. Donc c'est toujours à la gamme Volcan. Comme ceci. Je sais pas si j'ai...
jamais vu le packaging, je crois. Ouais, c'est vraiment un packaging basique. J'ai pris ensuite du un sérum ciblage tâche. Je crois que je l'ai déjà, celui-là. Ah non, je l'ai pas. Donc celui-ci, avec des enzymes et du kombucha. Et enfin, j'ai acheté le masque de nuit éclat de chez Sephora, toujours, encore une fois. Franchement, j'ai quasiment tout racheté de la gamme. C'est excellent. Il y a aussi ma lotion du matin qui est en promotion, mais je ne l'ai pas rachetée parce que j'en ai encore beaucoup dans la bouteille. Je suis passée à H&M et je suis contente parce que je me suis trouvé un costume. Comme vous pouvez voir, j'ai besoin de costumes. Je n'arrive pas à en trouver et généralement il faut essayer en fait sur place. Sur internet, j'arrive pas à trouver des bons costumes. Là, j'en ai trouvé un. C'était pas si cher, hein. 17,99€ la veste. Donc une veste, je sais pas si vous allez voir le détail. C'est assez joli. J'aime beaucoup, la qualité est vraiment bien. Par contre, la veste elle est vraiment grande, donc c'est une veste un peu loose. J'ai pris en taille S. Donc ça, trop cool. La qualité est vraiment top et j'ai pris donc le pantalon. C'était les derniers. J'ai pris en taille 38. Ça encore une fois c'est un peu petit hein. Franchement heureusement que c'est pas que du 36. Donc voilà le pantalon qui va avec. Donc ça se prend séparément hein. Je suis tombée dessus vraiment par hasard. Je sais pas si vous allez voir la caméra. Mais voilà pour le pantalon. Je crois que je vous l'ai montré dans les vidéos là que, juste avant. Donc vraiment top top top. Je suis super contente. Et le pantalon était à 20€. Donc ça me fait un bel ensemble je trouve. Pas très très cher. Donc voilà pour mes achats d'aujourd'hui. J'ai fait aussi mes photos de passeport. J'espère que ça pourra passer. J'avais une tête éclatée, mon dieu, dans les photomatons, c'est une catastrophe. Donc voilà, je vais emballer les cadeaux de Noël et aussi les cadeaux d'anniversaire. Mais voilà pour aujourd'hui. Donc on se retrouve demain pour la suite de la vidéo. Bon, on est le lendemain, du coup, j'ai oral de gestion de risque et de crise. On doit présenter notre dossier aujourd'hui, donc dans 2 heures. Je vais essayer de réviser un petit peu là devant le miroir, de faire mon oral, parce que hier j'ai vraiment pas trop eu le temps. Donc il faut que j'apprenne par cœur en l'espace de 30 minutes. Je me suis fait des cheveux bouclés et j'ai pris aussi une tenue. Est-ce que vous allez voir? J'ai mis une petite blouse comme ceci avec le pantalon de chez Bershka que j'ai acheté hier. Donc c'est un pantalon de costume. Donc voilà, j'ai mis une petite blouse qui vient de chez Camailleux. Et comme ça, bah pour les oraux, de toute façon, je me mets toujours en mode costume. Il y a des gens qui le font pas, je comprends pas pourquoi. Je suis sûre que la moitié ne se mettent pas en costume. Mais pour les oraux, pour moi, c'est hyper important d'être bien habillée. Parce que c'est une forme de respect envers soi-même et aussi envers l'interlocuteur. Donc voilà, je vais réviser. Je vous montre vite fait. On devait faire en fait un prospectus. Donc la répartition de ce travail là, en fait, moi j'ai fait toute la partie visuelle et prospectus. Il y en a deux qui ont fait la partie vraiment recherche, il y en a un troisième aussi qui a fait la partie recherche. Mais surtout le troisième, il a fait vraiment toute l'harmonisation des phrases, il sait très très bien écrire. Donc il a tout réharmonisé et moi j'ai fait toute la mise en page, tout le visuel. Donc ça se présente comme ça, donc on l'a imprimé en format A3 du coup et en papier un petit peu plastifié, je vous montrerai ça si j'ai le temps. Donc ça se présente comme ça, c'est moi qui fais ça, c'est une mind map avec le facteur humain et tout ce qui se dégage du facteur humain. Et donc notre sujet c'était comment mieux appréhender le facteur humain lors de la prise de décision en situation de crise. Donc en gros c'était à imposer les sujets. Et ensuite quand tu ouvres le prospectus, donc il n'y a pas de bordure, hein, ça donne ça. Donc c'est moi qui ai fait les petits schémas à chaque fois, c'est moi qui ai tout fait à la main sur Procreate. Donc j'ai fait ça et ensuite derrière, c'est comme ça. Donc j'ai fait un QR code, c'est plutôt pas mal ça comme idée. Je sais pas comment j'ai fait pour avoir cette idée. Mais quand vous avez des bibliographies et que ça prend toute la page en fait sur vos dossiers, prenez un QR code. Donc ça dure une semaine je crois le QR code. Donc soit vous pouvez l'acheter, c'est 50 centimes. Mais voilà, vous avez le QR code donc vous avez juste à scanner et après t'as la bibliographie qui s'affiche. Donc ça c'est vraiment plutôt pratique. J'ai fait aussi le PowerPoint. Et du coup bah, à l'oral il faut que je parle. Donc j'ai parlé sur les perspectives. Donc sur ça, sauf que bah... il n'y avait pas de texte à proprement parler, donc heureusement il y a un de mes potes qui m'a aidé à faire le texte parce que moi je ne connaissais rien. Moi je parle de l'intelligence artificielle, je ne connais pas grand chose de l'intelligence artificielle quoi, donc moi je me suis vraiment axée que le visu, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Faut savoir que le prospectus, rien que la première page, franchement ça a pris plusieurs heures, donc c'est vraiment long les visus et les gens ne se rendent pas forcément compte. Et c'est ça qui est dommage parce que voilà, ok les recherches sont longues à faire,
mais c'est toujours moins long que faire le visuel parce qu'il y a toujours une harmonisation des couleurs, etc. Donc, et ce qui est cool dans mon groupe, c'est que bah voilà, il y en a qui donnent leur avis et c'est hyper constructif et on s'améliore à chaque fois. Enfin, chacun prend une idée et moi je l'améliore après, etc. Et ça fait un effet ping-pong et vraiment, c'est un très bon groupe. Donc. Vous avez posté sur Instagram cette photo là et en gros, je vous ai demandé si ça ressemblait à un pénis ou à un clito. Donc, moi je suis désolée, mais pour moi, c'est un pénis. Hein. Et en fait, bah, c'était un clito et vous avez été 85% à dire un clito. Du coup, j'avais fait un pari avec mon pote, parce que c'est mon pote qui l'a pris en photo, ça. Et du coup, je lui dis, bah, s'ils disent que c'est un pénis, bah, j'ai le droit à un café, mais s'ils disent que c'est un clito, bah, je te donne un croissant. Du coup, bah, j'ai imprimé ça et je vais acheter un croissant, vu que c'est lui qui a gagné. Parce que vous avez tous dit que c'était un clito. En même temps, quand tu regardes tout le truc, je veux bien, mais quand tu regardes que ça, je suis désolée, mais non. Du coup, voilà, j'ai imprimé aussi les notes d'un de mes potes, mes notes à moi. Je vais réviser un petit peu. Et puis bah c'est parti, je vous emmène avec moi. Nous sommes à Panthéon-Sorbonne. Je vais en Sorbonne du coup pour réviser avec mon groupe pour l'oral. Donc on va retrouver notre petit QG, puisque nous avons plus la BSB pour travailler. Nous avons trouvé un autre QG qui est la petite verrière. Du coup j'ai acheté aussi le croissant pour Antonin. J'espère qu'il va être content. Les autres ils vont me dire ouais et nous on n'a pas de croissant. Je suis sûre qu'il y aura un délire comme ça. Donc il est 13h, dans une heure on passe, enfin une heure, dans une heure on doit y être. Après on sait pas à quelle heure on passe, on n'a pas nos sortes de passage, mais je pense qu'on passe en dernier. Donc, c'est parti. Ah, c'est mignon. C'est mignon quand même. Très, très, très. J'ai bien imprimé. Je t'ai dit t'en prends un quoi, genre oui, on va s'en foutre. De toute façon j'avais 2€ sur moi frérot, c'était 1,20€, je pouvais pas faire plus. La forme va pas tout changer non plus, va pas faire oublier le fond du truc, 85-15 quoi. Non mais 15% quand même, tu vois si tu regardes 15% comme ça, c'est une teub. De... Bah, alors que quand tu regardes un peu plus, tu vois la fleur et tout, tu dis bon, voilà. Mais comme ça... Non mais qui fait ça quand il regarde une photo? Oui. Moi je regarde la première chose, c'est ça. Oh beau. Ouais. Non franchement ça le fait. Hein. Ça le fait de ouf. Par contre j'ai vu une coquille, mais... Où ça? Ah désolé, mais je peux pas te dire. Vous savez que les amis hier. Mon dieu, j'ai peur. Attends, j'ai pas relu. Je vous ai dit de relire. Conne, c'est parfait. Ah, j'ai peur. Arrête de me faire des peurs comme ça, là. Attends, c'est trop beau. En plus, j'ai relu. Je me suis dit, merde. Franchement, risque environnement. Pour ajouter du beurre. Vas-y, vas-y. Bon, on vient de finir du coup l'oral. Après, ils ont voulu aller boire un verre, mais finalement, je n'aurai pas le temps parce que je dois faire beaucoup de choses encore. Donc, je dois faire des papiers, de la paperasse. Faut que je réponde à des mails. J'ai vu ça pendant que j'attendais que les autres passent à l'oral. Bon, ça y est, je reviens de mon oral. Alors, ça s'est très très bien passé. Je pense qu'on a été le meilleur des groupes parce qu'il a pas fait trop de remarques négatives et on a eu un petit débat à la fin et j'ai pu répondre à ses questions. Au moins je suis contente, j'ai pu parler un petit peu. Il a kiffé, il a bien aimé, donc bah écoutez, on croise les doigts pour avoir une très bonne note. Du coup, comme je vous ai dit, on devait aller boire un verre après, sauf que j'ai beaucoup trop de choses à faire, vraiment au niveau des mails et tout, j'ai vu, c'est oh, trop. J'ai eu un message de ma sécu en me disant qu'il y a une réclamation qui a été faite pour que je sois payée à la fin du mois, par Truffaut. Et aussi pour mes APL qui datent de 2022. Voilà, ça fait un an qu'ils ont du retard dans mes APL, donc je suis ravie. Donc j'espère que ça va vite se dépêcher, se grouiller un petit peu, parce que là j'en ai un petit peu marre de ces incompétents dans ce monde. Et donc là il est 18h23, je suis éclatée, en fait j'ai un mal de crâne horrible. Donc j'ai très très faim, j'ai pas mangé ce midi. I am coming, hein. I have a lot of work today, so I can... J'arrive! J'en peux plus! Prince, il a chié, ça pue! Mais Prince, t'as quoi dans le cul? C'est pas possible! Hop! Dans le frigo, je n'ai que... On est quel jour? On est le 12? Alors, peut-être que je mange ça. C'est valable jusqu'au 10. Une pizza périmée, ça vous dit? Non, parce que j'ai que ça. Hein. Vraiment rien, hein. Demain on va faire les courses, demain on est quel jour, on est vendredi, ouais demain on fait les courses. Concernant le bol pour Pierre, je sais pas s'il est totalement sec. En tout cas demain on va le peindre, on va peindre ça. Attends, ça fait vraiment pitié, non? Je sais pas si je le ponce un petit peu à l'intérieur. Je sais pas, écoutez, on verra demain ce qu'on va en faire. Demain j'ai un programme chargé encore, hein. Oh là là.
Mais moi, je suis contente de mon oral. Là, je suis actuellement en vacances, ça y est. Je n'ai vraiment plus de partiel, etc. Donc, je suis en vacances pendant très longtemps. Voilà, c'est mon dernier partiel. J'en ai que 3 des partiels, vraiment partiels. Et encore, là, c'était vraiment un partiel assez simple. Là. C'était juste un oral, donc ça allait. Du coup, hier, je vous ai pas dit, mais j'avais Big Data Challenge. Vous savez, je sais pas si vous vous souvenez dans les Vlogmas, j'ai fait les trucs de Walking Dead, etc. Et en fait, dans cette matière-là, il y a un exercice sur 3 points où c'est du Big Data Challenge, où vous pouvez faire des prédictions. Et en gros, c'était ça hier, j'ai fait ça hier, donc ça m'a pris un peu de temps. Normalement, j'espère avoir les bonnes réponses, on verra bien. Et donc, Big Data et Recherche en Management, donc les recherches et les signes astrologiques, vous savez, ceux qui ont bien suivi, c'était vraiment beaucoup de boulot. Beaucoup de boulot et ça équivaut à un partiel, je pense, à un bon partiel. Peut-être que je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo, mais en tout cas, ce semestre-là, bon, je trouve que le master est éclaté. Hein. Ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'on fait dans notre master. Moi, je suis en gestion de risque et de crise et mes plus gros coefs, c'est la stratégie d'entreprise, donc du marketing et du droit du travail, donc ressources humaines. Ça n'a strictement rien à voir avec mon master. Même ma matière qui s'appelle gestion des risques et des crises, donc la matière de mon master, n'a pas un gros coef. Elle a le plus petit coef. Donc vraiment, ce master, il est éclaté au sol, je trouve. C'est la matière où c'était vraiment cool, dans le sens où ma créativité était présente, je pouvais exprimer ma créativité, c'était recherche en management et big data. Parce qu'on pouvait avoir des sujets totalement loufoques. Donc ça, c'était vraiment cool. J'ai pu vraiment m'exprimer et tout. C'était génial. Après, le reste, c'est que du bullshit. Et je pensais pas, mais ce master est vraiment bullshit. Et y a pas beaucoup d'heures de travail en soi. Enfin, j'ai travaillé 5 heures en tout pour 2 matières, pour 2 partiels. Bon, après, c'est mon choix. Mais franchement, il y a des partiels où ça sert à rien de travailler plus, quoi. Vraiment, c'est... Voilà. Ouais, c'est bullshit. En fait, c'est dur d'y rentrer. Et après, à l'intérieur, le contenu n'est pas incroyable. Mais c'est vraiment très dur d'y rentrer. Enfin, je suis la seule de Paris à être rentrée. Enfin, il y en a un autre aussi, mais la seule d'école de management de la Sorbonne à être rentrée. Je suis la seule sur les, sur les 900. Ma pizza va se chauffer bientôt. Je vais me poser dans le canapé. Je vais regarder ma petite émission sur les châteaux parce que j'adore ça. Je vais me reposer parce que je suis vraiment fatiguée. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est toute la tension et le stress qui redescend. J'ai super mal au crâne. J'ai jamais mal au crâne. Moi, je suis pas une meuf qui a des maux de tête et tout. Mais là, waouh, ça me prend jusque dans la nuque. Je suis contente parce qu'à l'oral, j'ai pas du tout stressé. Je suis de plus en plus à l'aise à l'oral. Enfin, moi, de base, à l'oral, je suis très à l'aise. C'est là où j'ai les meilleures notes. Les oraux, c'est y a que ça. Les écrits, bon, je suis dyslexique, donc des fois, mes écrits sont nuls. Et je comprends totalement. Mais les oraux, c'est ma plus-value. C'est là où je suis la plus forte. Et là, franchement, c'était hyper fluide et tout. J'arrive vraiment à capter l'attention du prof. Il est très intrigué, il était très intéressé, il regardait ce que je faisais. Enfin, c'est bien, j'y arrive bien et je suis contente de moi là-dessus. Et là, bah, c'est terminé, les parcelles, c'est terminé pour tout ça. Et je vous dis à demain pour les courses. Oh, un bordel. C'est un bordel demain. Nous sommes le vendredi 13, il est 11h43. Ce jour il est un peu particulier parce que ça va faire 8 mois que Birdie est parti. Birdie est parti un vendredi 13 et là on est encore vendredi 13, du coup c'est une petite journée assez spéciale. En mode est-ce qu'il va m'arriver une merde comme le dernier vendredi 13 ou est-ce que ça va être une bonne journée. C'est assez double tranchant, moi je suis très superstitieuse. Du coup il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui, j'ai une to-do list, elle est énorme. Vu qu'hier en fait j'ai pas fait ce que je devais faire, ça s'est rajouté à ma to-do list d'aujourd'hui, donc c'est la catastrophe, j'ai énormément de choses à faire. Alors, ce que j'ai à faire aujourd'hui, récupérer le cadeau de mon père, aller à la pharmacie, peut-être un remboursement d'Undis, faut que j'essaye les culottes là, faire les courses, peindre le bol, aller en soirée parce que ce soir j'ai une soirée, des abonnements de Body Minute. J'ai eu aussi, faut que j'appelle aussi les mairies pour mon passeport, je l'ai pas noté ça sur ma to-do list, pour déposer mon dossier pour le passeport. Il n'y a aucun créneau pour donner son passeport en mairie, donc faut que je les appelle. J'ai aussi eu au téléphone le service de paye de Truffaut. La dame, elle est vraiment trop gentille, elle est trop chou. Elle a appelé donc la MSA hier, donc la MSA c'est ma sécurité sociale. Et il faut savoir que la MSA c'est elle qui gère tout, hein, tout. C'est elle qui fait tout avec moi, je n'ai pas de CAF, hein, c'est elle qui gère tout. Et du coup, la MSA a bien reçu mon dossier et on dit que c'était très bien fait en plus, que mon dossier était très bien réalisé. Normal. Elle m'a dit qu'il faudra que je les harcèle un petit peu pour qu'ils se bougent. En gros, voilà, c'était en cours de réclamation et il fallait l'accord du président de la commission
pour avoir mes indemnités. Donc maintenant, je ne serai pas payée par Truffaut, mais je serai payée en indemnité journalière par la MSA, ce qui est un peu compliqué. Donc il faudra que j'envoie à chaque fois mes indemnités journalières à Truffaut pour le service de paye. Et j'ai aussi annoncé au service de paye que je démissionnais le 12 février. Donc le solde de tout compte va être potentiellement à 0€. Le problème avec ça, c'est que quand il y a des gens qui te payent différemment, il y a souvent des couacs. Un manque d'argent, c'est ce qui s'est passé plusieurs fois avec Truffaut quand j'étais en CDD. Il me manquait à chaque fois 200€ sur ma fiche de paye, 200€ net, donc c'est quand même énorme. Mais les gens qui ne savent pas lire des fiches de paye, ils ne savent pas, ils ne peuvent pas avoir. Sauf que moi, je sais lire une fiche de paye et surtout, je sais calculer tout ce qu'il faut calculer. Il faudra que je fasse un gros calcul entre ce que la MSA me doit et ce que la Truffaut, du coup, me devra après. Et donc, voilà, au niveau des congés payés aussi, il faudra me les payer, du coup. Donc voilà, il faudra que je fasse quand même pas mal de choses. Voilà, pour cette journée, il faut que je peigne le bol de Pierre aussi. Donc bref, beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Je vais me préparer parce que je ressemble à rien du tout. Voilà, j'ai une petite tête toute fatiguée. Donc je vais me préparer et je vais peut-être appeler les mairies. Genre passer tous mes appels téléphoniques là maintenant. Je viens de voir que les horaires des mairies, c'est de 9h à 11h45. Il est 11h47. Bon, moi je les rappellerai cet après-midi. Et ah oui, à ce qui paraît, il y a des raffineries qui se mettent en grève. S'il vous plaît. Du coup, faut que j'aille mettre de l'essence vite et du GPL vite. Oui, hier, je me couche vers 1h du matin, j'étais explosée. C'est pas genre j'ouvre le lit et je vois tout ce vomi là sur mes draps. Prince avait vomi, mais genre bien comme il faut, donc j'ai dû changer mes draps. J'étais ravie, Thérèse, vraiment trop contente. Donc, faut que je fasse des lessives aujourd'hui. Vous l'entendez, j'ai lancé la machine, excusez-moi du bruit. Du coup, j'avais acheté ça il y a longtemps, aux dernières soldes en fait de chez Undies, et j'avais eu ça à moins 50%, et j'avais pas eu la culotte. Je me suis dit, bon bah, ils vont faire d'autres culottes. Ils avaient pas fait de culotte bleue depuis très longtemps, et là, c'est la nouvelle collection, et donc j'ai acheté une culotte qui bon, c'est pas la même couleur, mais bon, ça fait l'affaire pour l'ensemble. Ensuite, les deux autres culottes que j'ai pris, même en solde, là, elles vont pas, elles sont beaucoup trop grandes, donc je vais les rendre. Daron, est-ce que je peux passer par là? Non, mais bon, écoutez. La boutique ouvre à 12h, il est quelle heure? Ok, c'est bon. Bon, allez, je me dépêche. Ses cheveux. Du coup, bah, je viens d'y aller, j'ai récupéré le colis, du coup. Est-ce que je peux sortir là-bas? Ouh là là, non, il y a trop de trous. Eh bien, nous allons aller à Belle Épine, donc c'est à côté. Les amis, c'est vert! Oh! Allez! Putain! On commence la deuxième là! Oh! Les gens, ils sont lents! Mais lents! Les gars, il y avait une embrouille dans le parking, j'adore. Enfin, tu sais, il y a de la place partout. Mais non, la dame veut se garer à cet endroit-là précisément, tu sais. Alors, trouvons une belle place! Bon, là, il n'y en a pas. Bonjour! Pour vous remettre sur une lettre de résiliation. Vous m'avez appelé? Oui, c'est ça, c'est moi. Non mais, 9,99 le kilo. Je reviens de Carrefour, j'en ai eu pour 50€. Mais j'ai pris un livre aussi, un livre Picsou à 7€. Donc, 43€ par contre le lait, mais j'ai jamais vu un lait aussi cher. Avant, le lait que je prenais, il était à 81 centimes. Là, il est passé à 1,15€. Du coup, bah, je vais à Lidl exprès pour du lait. Parce que là, je suis à court de lait et j'ai besoin de lait pour mon cappuccino. Je vais à Lidl. Heureusement que c'est à côté. Mais fait chier quoi, à venir à Lidl juste pour ça. Je vais voir s'il y a des petites verrines à la Saint-Jacques que mon père avait bien kiffé. Bref, je vais à Lidl, je retrouve juste après. Il y a plaisir, il y a du soleil dans l'appartement. Donc voilà les courses, je vais vous montrer ça. J'utilise toujours mon petit diable, c'est vraiment pratique. Avec des petites caisses et tout, c'est vachement bien. Ça, faut que je l'emballe, faut que je vois déjà si tout est bon. Pour les courses, j'ai pris un oignon, il m'a coûté 1,14€. Et quand je suis allée à Lidl, il y en avait 4, mais pour 1€. Je suis dégoûtée. Bon, je pense au niveau poids, celui-là, il est un peu plus lourd. Mais ouais, j'en ai pris au cas où d'autres. J'ai pris du thym, j'ai pris 3 avocats, j'ai pris de la courgette, des tomates, des champignons, bananes, clémentines. J'ai pris de la mangue, c'était à moins 50%. Je vais manger ça tout à l'heure.
du raisin sans pépin comme d'habitude. Ça pour le petit déjeuner, je mange que ça le matin, maintenant c'est trop trop bien. Des olives avec de la feta, du fromage, c'est trop trop bon. Yaourt grec, ça c'est vraiment bien, c'est à Lidl ça. Deux à la pêche et deux à la passion. Ça c'est mes gaufres préférées, j'adore. C'est avec du chocolat, c'est super bon. J'ai repris du dentifrice, j'ai pris 3 bouteilles de lait. J'ai pris mon petit livre, les trésors de Picsou. Bon ça c'est vraiment un basique, hein. Je prends tout le temps ça, j'adore. De l'emmental râpé en x2. Des yaourts nature au sucre de canne, franchement c'était super bon. Je mange ça avec des fruits le matin, vous savez, des fruits décongelés. Des pommes de terre, des cotons-tiges, de la crème fraîche, du chèvre. Des Maminova à l'ananas passion, et c'est ça en fait qui m'a coûté super cher. De base c'est 3,45€, c'est passé à 2,40€ je crois le paquet. Donc il y en a deux à l'intérieur, et c'est des trucs que je voulais trop tester depuis tellement longtemps, mais c'est tellement cher. Donc là ça passait à 2,40€. Donc j'ai pris le Gold Millionnaire chocolat caramel, ça a l'air trop trop bon. Le cheesecake fraise des bois et le cheesecake caramel beurre salé. Ça je vais tester direct, j'adore. Ça a l'air trop trop bon. Et ma passion pour les yaourts est toujours présente, donc voilà, je suis ravie. Donc j'ai pris vraiment beaucoup de choses pour le Noël. Beaucoup de choses, j'ai pris du thym, donc de l'oignon. Après j'ai les épices et tout qu'il faudra pour la recette, parce que j'ai trouvé une recette sur internet avec des pommes de terre. Donc on fera ça dans une prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo que vous verrez, il y aura la recette. Donc on va faire le repas de Noël. Oui, vous avez bien entendu, le repas de Noël, puisque ma soeur, comme je vous ai dit juste avant, elle revient de Guadeloupe et on n'a pas fêté Noël avec elle. Donc mon père vient, enfin je vais chercher mon père dimanche. Donc ça vous le verrez dans une prochaine vidéo avec les conneries de Patrick et tout. Enfin ça va être trop trop drôle. Et on va faire donc le repas. Donc, j'ai trouvé une petite recette. Écoutez, on verra ce que ça donne, on verra si ça va être bien. Donc je vais ranger toutes les courses et après je vais appeler les mairies. Enfin je vais manger surtout. Et je vais appeler les mairies. Vous pouvez voir que mon frigo est vachement rempli, hein. C'est une catastrophe. J'ai nettoyé mes bacs parce qu'ils étaient vides. Donc là j'ai nettoyé aussi ça. Mais ouais, il n'y a pas grand chose, hein, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment la dèche. Voilà, j'ai mes petits yaourts, les petits trucs à manger comme ça, les fromages, les légumes et les fruits. J'ai refait aussi une petite coupe de fruits juste là avec des oignons et tout, comme ça, ça reste à l'air libre. Et voilà, j'ai fait ça comme ça pour que ça fasse un petit peu plus joli. Je vais nettoyer le plan de travail. Je vais me faire ça à manger ce midi, mozzarella, parce qu'elle est périmée. Depuis 2 jours. J'espère qu'elle va être encore un peu bonne. Avec des tomates, ça. Et je vais manger un petit yaourt. Donc là j'appelle les mairies pour prendre rendez-vous pour déposer mon passeport. Il y a celle de Thiers, mais le problème c'est que c'était le jour de mon anniversaire, le 22 février. Sauf que je ne suis pas là. Et donc je pourrais pas déposer mon passeport. Ah oui, et je viens de regarder, mais j'ai déjà acheté le livre Picsou, le numéro 61 là, que j'ai acheté. Je suis dégoûtée, je pensais vraiment pas l'avoir parce que ça ne disait rien la couverture. Et en fait si, donc je vais devoir retourner à Carrefour me faire rembourser. Je suis ravie. Bonjour, ça serait pour prendre rendez-vous pour un dépôt de passeport s'il vous plaît? Oui madame, c'est pour combien de personnes? Une seule personne. En même temps, je m'y prends grave tard. Enfin, j'en ai pas besoin là maintenant, mon passeport, mais ça expire quand leur putain de timbre de mes couilles là? Il me reste encore une trentaine de mairies à appeler. Oui, bonjour, ce serait pour prendre rendez-vous pour un dépôt de passeport pour une personne, s'il vous plaît. D'avoir Ivry sur scène au téléphone, franchement, Ivry, je les aime trop. Et en gros, elle m'a conseillé un truc sur vite mon passeport. Et là, je vois, j'ai un rendez-vous le 13 février. Donc, moi, ce serait bon. C'est à Boissy, c'est dans le 91, c'est hyper loin. Mais elle m'a dit que c'est moi qui vais devoir récupérer mon passeport aussi. Donc, je ne pourrai pas le récupérer. Du coup, je ferai mon passeport en juillet. Mais je sais qu'en juillet, c'est le bordel. La meuf d'Yves Sorsen, elle est vraiment trop chou, je l'aime trop. Enfin, dans ma to-do list, j'ai tout fait. Et là, il faut que j'aille me faire rembourser du coup de mon livre. Donc, j'ai appelé la mairie pour les passeports. Ah, j'ai pas appelé ma banque. Bon, moi je vais appeler ma banque. Faut que je l'appelle à tout prix. Du coup, ils répondent pas. Genre, envoyer un message. Ils sont très réactifs, moi, à ma banque. Ils m'aiment bien. Ça fait des années. Ça fait depuis 24. 25 bientôt. Oh my god. Bah, du coup, il me reste quoi sur ma to-do list? J'ai appelé la banque. Il me reste ma soirée, peindre le bol et du coup aller me faire rembourser aussi. Ah, faut que je mette de l'essence. Je vais aller à Carrefour me faire rembourser là parce que ouais, ça fait 7€ quand même. C'est pas négligeable. J'ai trouvé des fleurs, je suis trop contente, donc je me suis fait rembourser le Picsou. Et j'ai trouvé des tulipes à moins 50%. Elles sont trop belles. J'adore les tulipes, je trouve ça trop beau. Une violette magnifique. Les jaunes, elles sont sublimes. Donc j'ai pris ça pour faire un beau bouquet. Et j'ai pris des roses comme ceci.
à 2 euros pour pouvoir les mettre dans... Je sais pas si vous allez bien voir là-dedans. En fait, il y a plein de fleurs qui sont fanées du coup. Et j'aimerais bien, en fait, comme il y a de l'espèce de mousse, vous savez, pour planter les fleurs, et ben j'aimerais bien faire une composition pour Noël. Ça peut être sympa avec peut-être une bougie au milieu. Donc on va essayer de recycler un petit peu ça. On fera ça demain. Qu'est-ce que tu fais là, mon chat? Mon chat, ciao. Tu veux ta pâtée? Non, t'as plus le droit à la pâtée, t'es malade. Bah oui, mon cœur, je suis désolée. Tu pourras demander autant que tu veux. Là, ce soir, c'est privation de pâté, hein, ainsi que tout le week-end. Hein, parce que là, j'en ai marre des lessives. D'ailleurs, la mienne, elle est terminée. Donc, il faut que je mette tout ça à sécher, sachant que je n'ai plus de place sur l'étendoir. Donc, il faut que je retire les vêtements. J'ai une flemme internationale. Je vais d'abord faire mon bouquet. Je vais mettre ça dans de l'eau, les roses et tout, vraiment vite fait dans l'eau. Et voilà. Et j'ai acheté aussi des jus. Voilà, pour vu que j'ai pas de champomis, j'ai pris du jus de pêche et du jus de poire. Poire kiwi, c'est super bon. Donc au moins ma sœur pourra boire ça, parce qu'elle ne boit pas d'alcool comme moi. Il est 16h41, il faut qu'on se grouille le cucu, parce que je dois peindre le bol de mon pote. Je dois me préparer pour ce soir, parce que j'ai une soirée. J'ai mis ça dans un vase en attendant, et voici le petit bouquet de tulipes que j'ai fait. Trop mims. Tu veux ta pâtée, hein. Non, non, non. Prince, bouge. Mais Moïcha, t'es sur la caméra. Il est con. Bon, du coup, vous entendez la machine encore une fois. Je fais essorage. Là, je vais peindre le bol en noir. J'ai de la peinture, c'est parfait. Et allez, c'est parti. Je sais pas si vous êtes flou. Vous êtes un peu flou, non? Oh là là, attendez, je fais des bêtises. Et il n'y a que 19% de batterie. C'est parfait. Et si je ponçais un petit peu? Bon, je n'ai que ça. C'est du 180, c'est énorme. Mais bon. Ah oui, c'est bien. Bon, voici le bol. Je trouve assez mignon quand même, hein. C'est un peu esthétique et tout. Au début, je voulais mettre des fleurs, etc. Vraiment pour pousser le truc à fond. Mais c'est pas trop son style, donc un petit bol de pièces comme ça là, ça peut être plutôt pas mal en noir. Avec l'écriture blanche, je sais pas si je la mets à l'intérieur, le bol de pièces, ou genre à l'extérieur, je sais pas si j'aurai la place. Et du coup, là je vais... Regardez-moi ce tapis, Prince, pourquoi il y a un torchon par terre? En fait, Prince il s'amuse de ouf avec ça, c'est les jouets qu'il a eu par le Papa Noël du coup, et en fait il adore s'amuser avec ça, il s'éclate, et donc il en fout partout, il a des poils de partout. Et ça aussi il aime beaucoup. La qualité, waouh. Mon dieu. Mais voilà, il s'amuse avec ce genre de petits jouets là, c'est assez mignon. Bon, du coup il y a mes potes qui m'ont dit de faire l'écriture, le bol de pièces à l'intérieur, mais ils veulent que je fasse un trait blanc tout autour. Alors je sais pas du tout ce que ça va donner. Je suis pas une artiste dans l'âme non plus, donc je ne sais pas trop. Donc là je vais me préparer, je vais me laver, tout le bordel, je vais me maquiller pour aller à ma petite soirée. Je vais mettre le linge à sécher aussi. On se retrouve donc demain pour la suite et pour le dernier jour de vlog, de ce weekly vlog. Et demain, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas encore. Je crois que j'ai dû noter quelque part dans mon téléphone, mais bref, à demain. Regarde, c'est bien ça. Hop, hop. Du coup, je suis à Clessouilly. Je suis tellement loin de chez moi. J'ai au moins une heure de route. Passé une trop bonne soirée, c'était trop trop bien. J'ai mangé dans un bon resto. Franchement, à Clessouilly, il y a plein de choses. Je suis vraiment choquée. Je pensais que c'était un coin paumé. En fait, non, pas du tout. Il y a plein de magasins. Et là, il y a un Action en face de ma tête. Et après, direction chez moi, parce que j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Le programme d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est le montage de la vidéo, déjà de 1. De 2, il faut que je finisse le cadeau de Pierre. Après, il faut que je fasse le ménage. Voilà, il y a pas mal de choses à faire, donc faut que je prépare tout ça. Ah oui, il faut qu'on fasse aussi la composition. On va essayer de faire une composition aujourd'hui si on a le temps. Je suis extrêmement fatiguée, j'ai très très peu dormi, j'ai dû dormir 4 heures. Mais bon, il faut qu'on se bouge le cucu, donc on a pris un petit Columbus café là ce matin. C'était cool, j'ai pris un chai latte, incroyable. Bon, je voulais mettre de l'essence, mais ici c'est plus de 2 euros l'essence. C'est tellement cher. Donc j'espère que sur le chemin du retour, ma station sera ouverte et je pourrai mettre du GPL. Chial, parce que c'est la dèche.
Je suis en train de regarder des trucs pour le futur bébé de quelqu'un de ma famille. Et j'ai vu ces petites tortues trop mignonnes. Par contre, c'est 10 euros, c'est super cher. Et j'ai vu donc ça. Ça m'a l'air vraiment pas mal, mais 20 euros. C'est super cher. Et t'as un body. T'as un petit... je sais pas si on verra bien. T'as un petit truc un peu molletonné. Et après, t'as un pantalon. Et c'est avec des petites baleines, je trouve ça trop mignon. Après, t'as ça. Mais je trouve ça vraiment cher. Je voulais prendre ça, mais... Il y avait aussi des body à 12 euros. Mais j'aime vraiment bien le confort du truc. C'est super cher. Je pensais pas que c'était aussi cher les habits des bébés. Mais j'aime vraiment trop ce petit truc là. C'est hyper molletonné. Même le recto, il est beau, il est bien fini, je trouve. Bon, ça c'est cliché, mais bon, voilà, il y a des petits trucs, c'est trop mignon. En plus, la personne veut faire sur le thème de la savane. Donc bon, voilà, on va dire que ça passe. Une baleine dans une savane, mais j'aimais bien la tortue. Après, elle fait peut-être un peu flipper. Ouais, elle fait grave flipper, on est d'accord. Mais sinon, j'aimais bien la baleine. J'emmènerai la personne concernée ici. Je regarde aussi à Orchestra. Là, c'est un peu moins cher, quoi. Enfin, quand on a la carte, quoi. Je vais essayer de taxer une carte auprès de mes voisins. Mais je trouve ça trop mignon. Oh, le petit nuage. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose, surtout que le bébé va naître au mois de juillet. Du coup, un peu complicado de trouver quelque chose. Oh, c'est trop beau, ça, putain. Mais on connaît pas encore le sexe. Déjà fan de moi. Oh, putain, c'est tellement petit. Je sais pas si vous remarquez, mais c'est... c'est tellement petit, putain. 45 cm, c'est de 6 mois. Mais ce bébé-là, ça fait pas 6 mois. Oh, par contre, ça, j'adore. C'est dans le style de ce que veut la personne. C'est trop mimes. Ah, mais il y a aussi en fille, là. Il y a aussi les petits gilets. Oh, putain, non, c'est trop mimi, putain. Mais c'est du combien, ça? Du zéro. Je chiale, ça. 45 cm. Oh là là, c'est beau. Ça, par exemple, ça serait cool. Mais le problème, c'est que bah, là, le bébé, il va naître en... en juillet, il va crever de chaud. À part si je le prends en, genre, en 6 mois. Mais je trouve ça trop mignon. Ça aussi, c'est super mignon. C'est du combien? Je n'y arrive pas. 15 euros. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup. Après, que ça soit pratique. Est-ce que c'est pratique? J'en ai aucune idée. Ça, j'aime beaucoup. Je crois que j'ai choisi le mauvais magasin. Je suis à bébé 9. Oh, tiens, un panda. Oh my god. Oh non, putain, c'est cher. Oh, la baleine. Je suis fan des baleines, ça y est. Pourquoi c'est si cher? Oh, la girafe. Putain. Non, mais la girafe, vraiment, j'adore. Putain, 20 balles, 20 balles. Oh. Papillon, putain. Excellent. Bah, je pense qu'on va changer de magasin parce que c'est hors budget. Putain, waouh, 65 balles. Incroyable. C'est beau. C'est tour de lit. Ah. Bon, après, on n'a pas encore le tour de lit. Oh my god. Les petits pandas. Je viens de voir qu'il y a un BM. Alors, franchement, bébé 9, je savais que c'était cher, mais c'est vraiment très beau. Vraiment, ils font des trucs de qualité, je trouve. Enfin, les petits gugus, les petites baleines. Elles sont vraiment trop mimes. Mais je viens de voir qu'il y a un BM et je me souviens que le BM à la Cerisay, il a fermé. Et là, j'ai envie de voir ce qu'il donne. Putain, il y a tellement de magasins ici. Et en fait, il y a les parents de Cindy. Donc, je sais pas si vous vous souvenez, Cindy en carton, tout le bordel, là, ma meilleure amie, quoi. Il y a ses parents qui sont juste à côté. Elle m'a dit, mais meuf, t'es à 10 mètres de mes parents. Genre, ils étaient dans le magasin en face. C'est trop drôle. Vas-y, bad bitch, je te laisse passer. Mais qu'est-ce que tu fous? Ah, tu vas dans ce sens-là? Non? Va dans l'autre sens. Oh là 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 là. Genre, vraiment, regardez comment on fait, quoi. Tu peux pas tourner de base, mon gars. On passe comment? Allez, BM. C'est parti. Par contre, c'est immense. Je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. C'est un Jiffy version action, version je sais pas. Oh, putain, il est beau celui-là. Il est pas mal. Après, je sais pas si les prix, c'est vraiment intéressant. Mais c'est super grand et c'est bien rangé. Et il y a personne. Ça, c'est cool. Bah du coup, il y a des trucs pour les bébés. Mais en fait, c'est les mêmes prix un peu partout. Hein. C'est super cher, les trucs des gosses. Hein. Putain.
Je pensais pas. Je comprends que les gens aillent sur Vinted, hein. Ils n'achètent pas en boutique, hein, parce que putain, c'est trop beau. Je regarderai sur Vinted, hein, je pense, hein. Putain, c'est trop mimes. Alors ce meuble-là, j'aime beaucoup. Je le trouve vraiment trop trop beau. Et j'aime beaucoup. Même ça, là, j'aime bien. J'aime bien aussi ce meuble. Même le buffet. Ah oui, ils ont fait un assortiment de ouf, là. Alors j'ai trouvé des petits trucs à Kiabi. Vraiment, j'en ai pour 5 euros, donc je suis trop contente. C'est vrai. Après, c'est pas des trucs de ouf non plus, mais c'est dans mon budget, du coup. Je rentre à la maison, j'ai 40 minutes de route, il est actuellement midi 25. J'aimerais bien faire un tour à Belle Épine, à CEA, et peut-être Primark, parce que je sais qu'à CEA, ils font des trucs pour les bébés, parfois ça vaut le coup. À Primark, il y avait des petites couvertures que j'avais vues, enfin que j'avais achetées pour mes voisins, et ils utilisent toujours, elle est super bien. Et j'aimerais bien l'acheter pour la personne concernée qui va avoir un bébé. Vraiment pas le temps en plus pour ce genre de choses. Et faut que je mette de l'essence. Faites-moi penser de mettre de l'essence. Faut que je monte la vidéo. Putain, non, j'ai trop de choses à faire là. Et j'ai appelé Cindy en FaceTime pour qu'elle choisisse avec moi les trucs. Parce qu'il y avait soit là. Et en fait, j'ai pris ça. J'ai pris une petite lune. Il y avait soit en blanc, soit en bleu. Du coup, on a pris la bleue. Et je trouve ça assez mignon. Et voilà. On a choisi ensemble en FaceTime. Elle est en train de lire un livre. Cindy ne lit jamais. Cindy fait du sport et lit des livres maintenant. Cindy est une femme incroyablement saine. Je chienne. On va juste m'expliquer c'est quoi la différence entre le moins 50 et le moins 50. Faut que je trouve un cadeau encore chez CA. Peut-être qu'ils ont des trucs pour les bébés sympathiques. 12,99, ça va en soi. C'est trop mimes. Prix à ceux-là avec les éléphants. Ça aussi, c'est trop beau. Ça fait vraiment très garçon, ça, après. C'est une fille, c'est un peu cocu. C'est trop beau. J'aime trop. J'aime trop. Par contre, c'est pas pratique, je pense, pour Be Brave. Oh my god. Je suis en train de dévaliser le rayon. J'adore. Je suis vraiment hyper fatiguée. En plus, je me suis frottée l'œil. J'avais une poussière. C'est une catastrophe. Donc, il est 15h06. Je suis vraiment très fatiguée. J'ai un coup de barre, mais il faut pas que je dorme. Il faut que je finisse le cadeau de Pierre. Il faut que je fasse le ménage. Ce qui est important, faut que je fasse la lessive aussi. Des draps où Prince a vomi dedans là. Putain, c'est vraiment n'importe quoi. Ouais, j'ai plein de choses à vous montrer demain. Du coup, je vous montrerai ça demain parce que là, j'aurai vraiment pas le temps. J'en peux plus. Je vous pose ici, on va faire le bol du coup. On va écrire bol de pièces à l'intérieur. On va faire le bol. Alors, j'ai pris de la peinture, j'ai pris aussi des Posca. Je sais pas si avec les Posca ça va le faire. En tout cas, le bol me paraît vachement bien là, je suis contente. Bon, moi, ce que ça donne, j'ai fait ça, un petit cœur, etc. Et j'ai marqué bol de pièces. Je trouve ça trop mignon. C'est con quand même, hein, comme cadeau. Hein. Mais c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup. Je pense qu'il va être content. Du coup, je vais le mettre dans un sac Pierre Hermé. Il va être ravi. Mais trop beau. Je pense qu'il va bien rigoler. Je vous ai pas montré ma nouvelle bague. C'est celle-là. Elle est pas trop belle. C'est une petite iris bleue. Et en fait, cette fleur-là, c'est ma fleur de naissance. J'aime beaucoup trop, elle est trop trop belle. C'est cette marque là, si vous êtes intéressés, c'est des créateurs français et j'adore leur petite pochette comme ça. Elle est trop belle. Trop 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 belle. J'aime beaucoup trop. Ça je la prendrai avec moi quand je partirai en voyage pour mettre mes bijoux. Là, je coupe en combien? Attends, je coupe en comme tu peux. Tu peux? Attends. Il est minuit 4. Je reviens de chez mon pote Pierre. C'est vraiment très sympa. Il a bien aimé le petit bol et tout. Il y a mon meilleur ami Damien là, qui a fait un tiramisu Nutella. C'était super bon. Et on a mangé raclette. Donc, vraiment trop trop bien. On a mangé avec ses frères et sœurs. C'était vraiment trop sympa. Donc là, je vais rentrer. Je vais faire le montage de ce vlog. Et je sens que ça va être très long parce qu'il doit être au moins plus de 1 heure. Et je sens que mon ordinateur va bugger parce qu'il n'a pas assez de stockage. Donc je vais galérer ce soir, je vais me coucher encore tard. Et surtout, demain, je prends la route pour chercher mon père. Donc ça, je vous prendrai dans une autre vidéo pour mon père. Je vous prendrai, vous verrez ce vlog, je pense, vendredi avec mon père, etc. Donc
Voilà, écoutez, je vais vous laisser là sur la route. J'espère sincèrement que ce weekly vlog vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à me rejoindre sur mon compte Instagram, c'est ElisaBRTOff, à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos de Twitch juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.